Bonjour à tous et à toutes, mais j'espère que vous allez bien. Et nous voilà pour la suite de l'aventure. Et donc là, nous sommes dans le désert de Gerudo, normalement. Exact, donc on est là. Et ben, on va essayer de faire ça, hein, la ville. Voir peut-être le boss, je sais pas du tout comment ça marche. Donc elle est où la ville? Ok. Donc logiquement la ville, ben, c'est ça. Hein. Eh bien allons-y. Allons-y. Alors. Oh, voilà un visage inconnu. Je peux t'aider, jeune homme? Tu mates. Mais pas du tout, tu te trompes. Je suis un marchand, je suis même le chef d'une caravane. Nous sommes venus de si loin pour finalement nous apercevoir que la cité est interdite aux hommes. Ah, c'est mal barré parce que je suis un homme. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser rentrer. Nous voilà bien embêtés maintenant. Et donc je n'ai pas le choix. Non, non, je mène l'enquête. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'ai besoin pour infiltrer la cité Gerudo. Ah, intéressant. Je vais te faire part de ce que j'ai trouvé. Tiens. Voilà, ça fait bien une semaine que je suis arrivé ici. Je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner quand, ben ça j'étais sûr, j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand qui avait une navette entre le bazar d'Asek, je sais pas si on dit comme ça, et la cité Gerudo. Alors j'attends. Ah ok, il attend le mec en fait. Il attend le commerçant, je pense. Bon, attends, on va déjà parler aux femmes. What, c'est quoi ça? Ah, des morses, ok. Bon, bien évidemment, vu que je suis un homme, on va tester, hein. Ok, ça marche pas. On ne bouge plus. Tu comptes aller où comme ça? La cité Gerudo est interdite aux voix. Alors, fiche ce camp d'ici. Ok, bon, j'aurais essayé, hein. Bon, maintenant, si je leur parle, ça va. Qui va là? Hein? Voix, je sais pas comment on dit. Tu n'as rien à faire ici. La cité Gerudo est interdite aux. Seuls les. Ils peuvent pas dire hommes et femmes. Ils sont chiants. C'est évidemment pour dire. Ça veut dire. Ah, bah oui, voilà. Je ne sais même pas faire différence entre voix et vais. Et pourtant, tu voudrais entrer dans la cité. Bah oui. Ouais, ta gueule. Je ne peux pas te laisser entrer dans la cité. Oui. Ah, si tu as besoin de te réapprovisionner, va plutôt au bazar, l'oasis qui se trouve près de l'entrée du désert. Mince. Tiens, tant qu'on y est, un autre mot bien utile. Saavok signifie. Ah ok, d'accord. Oui, mais c'est pas ça que je voulais. C'est. Voilà ça. Mais non, pas vol. On prononce voix. Ah d'accord. Voyons. Enfin, ouais, enfin bon. Donc je suppose que si je triche comme ça ne marchera pas. Vu que j'avoue que je suis un tricheur. Il ne voit pas. Ah, ça marche pas. Ils ont pensé même à ces gens-là.
Ah, carrément. Je ne peux pas laisser entrer, hein. Oui, bon, ça va, on a compris. Oui, ça va, j'ai compris. On se calme. T'es chiante. Bon, et elle? Ça veut dire bonjour, je suppose. Ne me dis pas que tu as traversé le désert. Bah si. Ça a dû faire une belle trotte. Ah, bah ça, oui, carrément. Nous autres Giraudoux, nous avons l'habitude d'utiliser des morses de sable pour nous déplacer dans le désert. Je m'appelle Fressa ou Frécha. Ouais. Je tiens justement une boutique de location de morses dans la cité. Mes morses sont domestiquées, alors tout le monde peut en conduire facilement. Si tu as des questions à propos des morses, ouais, mais bon, pour ça, il faut que déjà je puisse rentrer. Il est où le bazar? Il y a quelqu'un là? Tiens donc aussi un voix qui m'aborde. Il n'a pas l'air trop menaçant, non. C'est sûrement un voyageur. Allez, Zinia, il ne reste plus. Il ne reste pas là à marmonner. Bonjour. Et toi, tu te souviens? Tu viens souvent par ici? Je m'appelle Zinia, de la tribu Giroudo. À mon âge, les Vaïs de ma tribu ont l'habitude de quitter Giroudo pour se chercher un mari. Et le destin m'a mis sur ton chemin. Ouais, moi, j'ai pas envie. Absolument. Ah, mais d'accord, dégoûté. Je voulais juste m'entraîner à discuter avec toi pour être prête le jour où je trouve le bon. Bah, merci. Ne le prends pas mal, hein. Mais tu es bien trop gringalet. Je risque de te casser en deux si je me sers dans tes bras. Ouais, pas ça. Elle m'écraserait le dos. Oui, ça je sais. Oui, mais je sais. Il a dit quoi? Au bazar. Ouais, mais il est où le bazar? Je crois qu'elle l'a dit en fait où était le bazar. Hein. Canyon, canyon. On va leur demander. Je crois qu'elle me l'a dit en fait où était le bazar. Mais j'ai pas écouté. Oui, voyons alors. Ok. Ok. Mais non, je voulais te parler. Oh, t'es chiante. Allez, tu peux m'en prêter un, faut que je parte. En attraper un, je peux? Sont sensibles au son, le truc c'est de les approcher au bas, mais c'est peut-être frustrant d'essayer d'en attraper un, hein. Alors la plupart des gens préfèrent en louer. Ok, bon, la conduite est un jeu d'enfant. Alors une fois que tu l'as attrapé, il suffit de le guider dans la direction que tu veux. Il te faut, ah d'accord,
Lâche, tourner, lâcher. Ok. Bon, ça va être cher encore. Oui, petit pas, petit pas. Ah ok, classe. Et mais on va où comme ça? Marrant le bruit qu'il fait. Bon, s'il te plaît, on m'attaque là. Ah toi, arrête-toi. Arrête-toi. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué ou... Ah non. J'ai cru que j'allais mourir. Oh mais non. Non, je vais pas prendre photo. Pourquoi je me suis arrêté là, moi? Oula. Non, on la voit pas entièrement. Bon, tant pis. On la voit pas complètement, c'est dommage. Ah, mais j'ai plus mon marteau. Oh, j'ai un coffre. Et j'ai encore oublié de le prendre en photo, mais quel con. Ah, cool. Un melon. Je vais voir si par hasard. Ah non, j'ai quand même chaud. Ok. Donc ça sert à rien. J'ai pas un truc spécial chaud. Non. Cool, sans. On passe plein. Ah bon, je suis plein. Je suis pas plein en arc. Qu'est-ce que tu me saoules?
Ah, c'est un boomerang. Ok, donc ça n'a pas marché. Ah, il y a une oasis là. Il doit être là, je pense. Ça semblerait logique. Ça semblerait logique. Allez, attaque-moi. Il est pas mort. Ben bah voilà le. Ah, et je crois que c'est un souvenir. Exact. Il me semble hein, qu'un souvenir par là. Oula. Ah oui, c'est le monstre. Oh, un chameau. Ou dromadaire, je sais pas. J'ai jamais su la différence. Non, je crois que c'est chameau, parce qu'il y a deux syllabes. Donc deux bosses. Eh ben. Voilà. Allez, bonjour. Je n'ai pas l'impression que mon chef va revenir de si tôt de la cité Girodo. J'espère qu'il va bien. Un homme est entré. Hein? Entré? Où? Non, tu veux dire dans la cité Girodo? Il se trouve maintenant au bazar d'Asek? Si c'est le chef qui t'a dit ça, c'est que ça doit être vrai. Mais je ne vois pas du tout de qui ça pourrait bien être. Hein. J'ai bien perçu une jolie hyène à l'épicerie, ce qui est assez inhabituel, mais bon. Ah, je crois comprendre. Elle portait des vêtements Giroudot. Je me demande où elle a bien pu les acheter. Peut-être que si j'en portais moi aussi. Non, je raconte n'importe quoi. J'ai dû rester trop longtemps au soleil. Non, mais en fait, ouais, je crois que t'as raison. Autant. Et il y en a toi. Autant se déguiser, hein. Melon glagla. Attends, comment elle s'appelle, elle? Ah non, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Marchand, allez. Si je connais un marchand louche,
Disons que, de mon point de vue, tous les marchands qui ne sont pas des Géroudeaux sont louches. Mais en fait, il y a bien cette marchande qui porte des vêtements Géroudeaux. Je la vois souvent rôder dans le coin. Mais elle vit qu'elle cache quelque chose. Elle traîne beaucoup à l'épicerie, d'accord. Alors je risque. Ok, oh, d'accord. Banane. Ouais, on en a acheté quelques-unes. Est-ce que je peux faire un truc pour supporter le froid, enfin le chaud? Ah bah voilà. Hop. Et merde, j'ai raté. Si j'en mets 5, ça fait longtemps, ça. Voilà, allez. Si je mets tout plus avoir mon arme, donc autant en profiter. Voilà. Là, c'est qui? Ah, je connais elle. Savak. Tu es qui, toi? Tu es un Voi? C'est ça? C'est ça. Beaucoup trop. Un galet. Écoute pas ce que je dis. Je suis Cornouiller de cité Géroudeau. Stupide tradition, si ce n'est qu'à moi. T'as raison, c'est nul. Ouais. C'est pas vraiment tes oignons, bien, mais bon. Quand une Géroudeau atteint à peu près mon âge, les gens de son entourage deviennent super pénibles. Pourquoi ça? Tu sais pas? Bah non. Quand une Géroudeau atteint mon âge, une tradition veut qu'elle quitte la cité pour chercher son mari. Ouais, je sais. On appelle ça chasse aux Voi. Ok. J'ai même pris des cours de cuisine et de couture. Bah cool. Si c'est vraiment ce que les Voi attendent d'une vaille, misère. Un homme potable, ça me gonfle, dit Voi. Un homme potable, ça existe? Ah, j'en connais un. Vraiment? Je demande à voir. Enfin, tu peux m'en dire plus? Et là, il lui raconte, voilà, l'histoire du village de zéro, qui cherche quelqu'un pour se marier. Alors, il recherche quelqu'un pour accommoder ses vêtements. Il peut pas les faire lui-même, et puis, c'est pas la porte à côté, hein, à Cala. Enfin, on me fichera peut-être un peu la paix si je pars là-bas chasser le Voi au village de zéro. De zéro, pardon. Sac sac pour l'info, c'est quoi sac sac? Je vais préparer mes bagages. On se revoit au village de zéro. Ok. Cool, ça avance la quête. Et peut-être qu'elle me fera des vêtements. Ce qui m'arrangerait bien, je l'avoue. Allez, on continue. Oh tiens, qu'est-ce qu'il fout là lui? Qu'est-ce qu'il dit? Bah tant pis. Je regarde la tempête de sable. Tu regardais aussi? Quelle tempête? Il y a toujours des tempêtes dans le désert et malheureusement. Et malheur à toi si tu fais te prendre. Ouais, bah ça, j'ai compris, ouais. Quand t'es dedans, t'as plus de radar. Ceci, c'est comme seulement quelques heures dans la journée. Et moi, je peux. Et moi, je vais aller là où il y a la grande tour
Alors je regarde et j'attends. Ah, mais moi j'y suis déjà allé. Tiens, tiens. Coucou toi. Alors qu'est-ce que tu nous vends? Oh, j'ai acheté ou quelqu'un qui en veuille. Non. Ou réchauffe, bah ben non. Allez, si tu veux, ça sera fait. Non! Tant pis. Oh, laisse tomber, ça m'a saoulé. Tiens, c'est quoi ça? Vierge grillée. Viande grillée. Ah, je crois ça qu'il m'en faut. Tu gênes là, et où je fais ce que je veux. Allez, je les prends. Hein? Ah, la képperche, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pas vu encore? Ah, lui là. Ce trésor d'une civilisation ancienne protégée par la tempête. Ça fait rêver vraiment. C'est une promesse d'aventure. Mais la tempête est censée s'arrêter quelques jours pendant quelques heures et je n'ai rien vu de tout ça. Sors un marchand. Quel marchand? Désolé, mais je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Tout ce qui m'intéresse, c'est la tempête et le trésor. Ce qui m'amène à la question suivante, t'es qui toi? Un trésor là-bas? Bon, enfin bon, on voit rien. Je t'ai déjà parlé à toi. Oui, à l'épicerie. Ah, mais je crois. Désolé. Oui, excuse-moi. Je crois que. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ça? Prendre, il y a un truc à prendre là? Pourquoi c'était marqué prendre? Normalement, c'est un. Il y a une vue là. Ah! Il y a un souvenir là. Pour une fois que j'en trouve un, allez, je sais que t'es là. C'est ça le mec? Ouais, il a l'air d'être un mec, ouais. Pas trop de poitrine, on va dire. Chéché. Allons-y. Vivian, bah oui, c'est lui. Bonjour, beau jeune homme. Je peux t'aider? Comment? Tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiltré dans la cité Girudo? Non, je crois pas. Désolé, je ne peux pas pouvoir t'aider. Désolé de ne pas pouvoir t'aider, pardon. Et c'est de la draguer pour comprendre que c'est en fait un garçon. Ne dis pas de sottises, mon grand, allez. Si tu n'as pas besoin de moi, va-t'en. Bon, il faut te draguer, je suppose. Comme c'est gentil, tu ne trouves pas ma tenue ravissante? Elle te plaît? Je suis sûr qu'elle t'irait bien à toi aussi. D'ailleurs, elle te rendrait encore plus séduisant, mon jeune homme. Ce n'est pas donné, bien sûr, mais
Ça va te changer la vie, tu verras. Ah, quand même. Ouais, bah, j'ai pas le choix, hein. Voyons voir. Oh, on a entendu le waouh. Marrant ça. Chichi. Il fait sentir humide, c'est marrant. Je savais que ça tirait comme un gant. Comme ça, tu ressembles à une bien jolie jeune femme. Avec ces vêtements, personne dans les environs ne se doutera que tu es un garçon. En plus, comme tu es d'une tenue giroudeau et très aérée, tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Ah, en plus, cool. Je savais que c'était lui. Oui, bah si tu veux. Pourquoi je peux revenir? Qui se... Alors, cette créature géante là-bas qui se cache dans la tempête de sable. Oui, bah, ça je sais, ça oui. J'ai entendu dire que que le chef de la cité Gerudo se creuser la tête pour trouver un moyen de la calmer. C'est sûr que le village ne serait pas long feu. Ouais, bah ça, on sait, hein. Oui, voyons voir. Non, il ne me protège pas contre la chaleur, hein. Ah si, un peu, on dirait. Ah ouais, bah cool. Merci. Et ben on repart. Par contre, je vais me TP parce que c'est un peu loin. Hop là. Et donc là, je vais pouvoir rentrer. On va rentrer dans la cité, ça sera déjà pas mal, non? Allons-y. Elle est finie là. Elle est pas finie? Ah, peut-être qu'il faut que je rentre. Ah ouais, faut que j'aille dans le truc. Ok. Attention. Oh bah je garde mon arme, hein, c'est pas grave. Suspense. C'est bon. Ah bah d'accord. En fait c'est tout bête. Ouais, vite, faire les courses. Ok. Mais y a rien. Eh oh, allô? Désolé, la bijouterie est fermée. Entre ces naboris qui fait des siennes, le palais en dessous. Ah ok, d'accord. Tant qu'il y a le monstre, en fait, on peut rien faire. Ok. C'est quoi ça? Ah, faire dodo. Bah oui. J'ai plus de cœur. Bonjour. Alors, oui, je sais. Massage. Un massage relaxant pour la dame, mes doigts frétillent d'impatience. Ouais, pas autant que moi. Midi.
Ton corps est couvert de cicatrices. Fais un peu attention à toi, ma jolie. Eh ouais, je sais. Marrant, les petits bruits. Marrant, marrant. Voilà. Merci. Je savais que j'avais comme ça, là, mon endurance au max. Oh, reviens à toi. Hey. Oui, bonjour. J'ai du mal avec les allongements de voyelles. Ouais, tu m'étonnes, c'est chiant. Eh ben. Qu'est-ce que ça sent? Et pourquoi on m'a laissé entrer? Allez, je vais t'acheter un truc. Non? Bon. Viande, viande, ok. Ah ouais, d'accord, t'as toutes les flèches en fait là. Ok. C'est cool ça. Il y a de quoi bien faire. Ces achats, il y a quoi là? C'est quoi ça? Ah, c'est une maison. C'est quoi ça? Glagla. Champilam. Ok. Ah, c'est ce que j'ai en fait. Les écluses ne sont pas autorisées. Ah, ok. Mais si tu es membre du club, je peux te passer. Tu peux passer par la porte de derrière. Porte de derrière. Porte de derrière? Mais il n'y a rien, porte de derrière. Ah, la séance de quoi? Pour traverser. Ah non, mais je veux pas traverser. Non, non. Ah, j'ai pas envie, merci. Comme si j'allais me faire avoir. Bonjour. Que viens-tu faire ici, jeune homme? Ah, elle sait que je suis un homme. Tu peux peut-être tromper les autres, mais avec moi ça marche pas. Cela dit, qu'est-ce que tu fais? Mais parfaitement égal. Mais puisque tu es là, tu voudrais pas rester un peu avec moi, discuter avec une vieille dame comme moi? Ouais, c'est une statue maudite. Ah, mais plus personne ne croit en elle de nos jours. Les autres ont tendance à aller. Ouais, bah, je sais, c'est comme l'autre, quoi. Ouais, parle-moi un peu de toi. Mais j'étais une reine de beauté il y a quelques temps. J'étais poursuivi d'une chimère. Ah bon? Ah,
Cherchait-on des amoureux pour y rencontrer quelqu'un selon la légende? Évidemment, elle ne l'a pas trouvé. Au moment de me rendre compte, j'étais devenue une vieille dame. Et elle a trop cherché en fait. Et voilà, c'est une gentille. Je crois que c'était une méchante. Ah, c'est ça la porte de derrière, je pense. What? Faut un mot de passe? Maintenant que vous voir au bar si j'y suis, demande l'ordre de te servir du lait. Oui, j'avoue, je sais pas. Je connais pas le mot de passe. On visite, hein. C'est le but aussi, hein. On ne veut rien rater, hein. J'ai pas de mission. Ah, je peux pas le. Il faut attendre une journée avant de pouvoir rentrer, retenter sa chance. Oui, d'accord, mais j'ai pas le mot de passe. Faudrait trouver le bar en fait. Commerce. Commerce, bijouterie. Le bar, c'est peut-être l'auberge. Bonjour. J'ai franchement pas le temps de souhaiter la bienvenue aux clients en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, cool, la vente des bijoux. Ah, ok, tu dis silex? Ah, mais est-ce que j'en ai 10? Bah oui, j'en ai au moins dans les 70. Allez, tiens, prends mes silex. Tiens, allez. Elle était chez les Gorons, en fait, déjà celle-là. Et oui, elle a 10. Merci, de rien. Après tout, on se connaît même pas, ça me gêne. Allez, un cadeau. Je trouve maintenant que j'ai du silex, je vais te fabriquer des bijoux. Exprès pour toi. Merci. Oula, j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'il faut? J'aime bien le topaz. Ah, mais tu dis à quoi ça sert en fait? Ah, ok, bon, bah alors non. Pas l'électricité. Saphir. Ah, je crois que c'est saphir. Ok. Et je suppose que c'est le froid. Exact. Bon, d'abord le chaud. Allons-y. J'attends, j'attends. Un mec avec des boucles d'oreilles. Ça va faire bizarre. Alors, diadème. Ah ouais, bah c'est comme mon truc archéonique. Reviens quand tu veux. Tu auras toujours un tarif spécial. Ok, donc ça fait quoi si je reparle? Du rubis. Bon, on va attendre parce qu'elle veut pas me reprendre mes trucs.
Par contre, si je fais ça, on voit que je suis une femme, un mec, pardon.